Salut les gars, j'espère que vous allez très très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du BTS communication, le BTS dans lequel je suis et le BTS que je vais finir l'année prochaine puisqu'à la rentrée je vais entamer ma deuxième année et ma dernière année. J'ai reçu beaucoup de messages en me disant comment ça se passait, si je pouvais en faire une vidéo là-dessus, etc. Alors j'étais plus partie sur le fait de vous faire une vidéo à la fin de mon BTS pour vous faire une globalité dessus. Alors pour commencer, moi je fais mon BTS communication à Bourges dans le Cher. Le BTS ça se fait sur 2 ans après le bac. Moi ça me correspondait très bien parce que j'ai pas envie de faire de longues études, ça me colle pas à la peau. C'est en contrôle continu, donc en gros tu passes toutes tes épreuves à la fin des 2 ans. Y a pas de partiel, y a pas de choses comme ça, donc moi ça me va. En fait le BTS t'es en petite classe. T'es en petit comité et nous on est une classe de aujourd'hui 20. J'hésitais entre un DUT, donc en IUT, ou alors un BTS. On m'avait posé la question si le fait d'être dans un lycée ça me gênait pas. Alors pas du tout. Nous faut savoir que notre lycée, enfin que le lycée où je suis, en fait il est divisé en deux. En fait vous avez la route et vous avez une partie du lycée et une autre partie de l'autre côté. Et nous on est toujours dans la même partie du lycée. On croise pas 10 000 élèves, on croise tout le temps les mêmes élèves et souvent je pense que c'est les terminales. Mais en fait nous on est tout le temps dans les mêmes classes. Pour ceux qui me demandent, moi je sors d'un bac art appliqué. Il faut savoir que dans ce BTS communication, ils prennent vraiment de n'importe quelle filière. Nous dans notre classe, on se retrouve avec plein de filières différentes. Il y a des gens qui ont été en fac, qui sont revenus en BTS communication. Il y a plein de réorientations. Il y a du L, il y a du S, il y a du ES, il y a du STMG. Donc faut pas vraiment vous mettre la pression là-dessus parce que si vous avez un profil qui correspond à ce que recherchent les professeurs pour le BTS, bah ça ira. On m'a aussi posé la question quelle était la filière la plus la plus recommandée pour après faire un BTS communication. Alors je ne sais pas puisqu'en fait quand vous arrivez en BTS communication, chacun a ses compétences en ce qui concerne les cours. Vous allez tout revoir à la base. Après, c'est sûr que si vous venez d'STMG ou d'ES, vous aurez plus de facilité dans tout ce qui est éco-droit et management. Faites la filière dont vous vous sentez le mieux pour après obtenir votre bac. Je vais vous parler des matières qu'on a en BTS communication. Au niveau de notre emploi du temps, c'est un emploi du temps très léger et qui s'adapte du coup à un lycée. Soit du 8h, 18h max, il y a les pauses pour déjeuner, etc. En vrai, on avait un emploi du temps assez simple. Après, il y avait des grosses journées. Il y avait des journées un peu moins sympas comme le mercredi parce que du coup, même si t'es en lycée, le mercredi après-midi, t'as cours. Après, on avait quand même un emploi du temps assez léger puisque le vendredi, on n'avait pas cours. Du coup, on avait un week-end de 3 jours. Même si le vendredi était là pour nous aider et pour du coup nous libérer dans notre emploi du temps, si on avait du coup un job à côté ou si en tant qu'étudiant, si on pour rechercher les stages aussi, pour faire les déplacements. En fait c'est pour nous permettre d'avoir plus de temps pour nous organiser et pour faire plus de choses. Ce qui est bien aussi quand tu fais un BTS, c'est que tu as les 2 semaines de vacances scolaires puisque c'est un lycée et du coup tu as les 2 semaines. Du coup je vais vous décrire les matières qu'on a. Donc en matière on a projet de communication. Souvent ça c'était pendant 4 heures, ça on a eu les 4 heures du lundi matin. En fait le projet de communication, en fait on prenait en charge un dossier d'un projet de communication qui était réel ou pas. Et en fait on devait du coup se l'approprier, t'avais un brief etc. Tu vas devoir élaborer des supports. En fait tu vas prendre en charge le dossier d'un projet comme si t'étais un chargé de communication. Tu vas aussi voir le droit spécifique à la communication, nos droits d'image, etc., les trucs comme ça. Donc en vrai c'est super intéressant, après ça peut faire beaucoup d'informations aussi. Ça c'est une matière qui peut être bien théorique, pendant 4 heures on peut bien travailler, ou alors ça peut être aussi pratique. Donc on va être par groupe, on va du coup se donner les missions, etc. Ou alors on va avoir des oraux, on va avoir l'anglais. On n'a pas de... En fait tu peux avoir le choix d'avoir une deuxième langue en BTS communication. Nous personne a fait ce choix. On a 3 heures d'anglais je crois par semaine. Nous on avait un prof qui était très très gentil. Et en fait on a revu
on a bien revu toutes les bases, puisqu'en fait souvent, et lui nous l'a expliqué, quand on arrive en études supérieures, on sait très mal parler anglais, à part ceux qui ont déjà un niveau avant. Donc à part les personnes qui ont déjà des facilités en anglais, personne sait vraiment bien parler anglais grâce aux 3 années de lycée. Et du coup quand on arrive en études sup, on a un niveau d'anglais très moyen. Et du coup c'est pour ça que nous, quand on arrive en BTS, ce professeur là entre autres, il revoyait toutes les bases. Donc pour moi qui a un niveau d'anglais très bof, franchement c'était très agréable. Et du coup y a des choses que j'ai mieux appris qu'au lycée. Et franchement c'était bien. Il nous aidait et du coup il repérait vite nos difficultés. Et moi ça m'a donné envie de vraiment me mettre à fond dans l'anglais. Il nous donnait à chaque fois des devoirs à faire à la maison. Après c'était des petits exercices. On avait aussi de l'anglais pro. Donc l'anglais professionnel, ça je sais pas si c'était vraiment tous les BTS qui l'ont. Je pense que nous c'est notre prof. On avait ça, c'était une fois sur deux. En fait c'était une matière hyper intéressante en soi, mais vu que c'était une semaine sur deux, on n'avait vraiment pas le temps de... En plus là avec le confinement etc, on n'a pas eu le temps d'aboutir à tout ce qu'on voulait. Mais en gros par exemple ça nous servait à faire une lettre de motivation en anglais, à faire un CV en anglais, à faire un entretien en anglais. Plein de choses en fait professionnelles comme ça qui peuvent nous servir pour l'anglais. Mais sinon c'était pas noté, hein, c'était une matière comme ça qui nous aidait. Ensuite on a conseil relations annonceur qui match avec atelier et relations commerciales. L'une est plus théorique et l'autre est plus pratique. Le conseil relation annonceur, en fait ça va être la même chose que l'atelier, sauf que l'atelier on va plus s'y mettre en pratique et c'est ce qu'on aurait dû faire mais il y a eu le confinement. Nous on a vu tout d'abord tous les métiers qui existaient dans toutes les branches de la communication, et il y en a beaucoup. On va voir tout ce qui est la prospection, les prospects, la négociation, gérer le dossier d'un client, gérer les prestataires. Ça peut être assez complexe, hein. Franchement moi c'était des matières qui étaient assez beaucoup d'informations en fait. Et moi qui aime pas trop ce côté commercial, on devait par exemple simuler des appels commerciaux, simuler un entretien, donc c'était avec notre professeur, mais simuler un entretien. On va avoir du coup économie, droit, management. Moi j'avais un peu peur parce que l'éco, le droit et le management, c'est des matières que je n'avais jamais étudiées, c'est des choses que je n'avais jamais vues. Donc j'appréhendais vachement parce que quand on était en cours et que je voyais les autres qui disaient ah oui mais ça j'ai déjà vu etc, j'étais ah ouais, faut être vachement rigoureux là-dessus parce que vu que c'est des notions que t'as jamais vues, faut vraiment tout bien apprendre au fur et à mesure, sinon t'es vite la tête dans l'eau. Après moi celui que je préfère le moins c'est le management, voilà. Ensuite on va avoir l'atelier production, ma matière préférée. Ça on va l'avoir aussi pareil en gros bloc, on va l'avoir en 4 heures. Ça m'a pas trop changé parce qu'en art appliqué on avait des gros blocs comme ça aussi de cours. Donc l'atelier production en fait ça va être pour nous en fait c'était 4 heures sur les ordinateurs principalement. Par exemple on devait réaliser la carte de vœux pour l'année 2020 pour le lycée, l'approviseur. Après on devait réaliser une affiche pour je sais pas quoi du cinéma, l'affiche pour les portes ouvertes. Enfin en fait on avait plein de consignes comme ça et de projets. Et après à la fin on devait vraiment s'approprier un projet, on n'était pas groupe. On devait vraiment réaliser quelque chose pour quelqu'un. Sauf qu'il y a eu le confinement du coup on n'a pas pu aboutir. Soit pendant 4 heures on peut aussi avoir des tutoriels. On a un autre professeur qui venait et qui du coup nous aidait à utiliser certains logiciels ou des choses qu'on connaissait pas. Et ensuite on va avoir la culture de communication. Ça on l'avait en 2 blocs chaque semaine avec 2 profs différents. Donc un prof qui était plus philo et un autre prof qui était plus socio. Ça en vrai c'est très intéressant. On va apprendre à rédiger des productions. Ça va être très dans l'écriture, très dans la formulation. On va aussi avoir la veille opérationnelle. Donc ça la veille opérationnelle c'est vachement dans la collecte d'informations, dans traiter l'information, savoir utiliser l'information, tous les termes à utiliser par l'internet etc. Et c'est tout, j'ai fait le tour. Nous les matières qu'on avait concrètement c'était ça. Pour revenir sur la question du travail à la maison, du coup nous vu que c'est des matières qu'on a une fois dans la semaine, ou alors du coup des fois deux par l'anglais ou la culture de communication, des fois on a vraiment pas grand chose, ou alors on va avoir de l'anglais. En fait on peut avoir que ça qui se rejoint dans la semaine. Du coup moi généralement je faisais tous mes devoirs
le jeudi soir ou le week-end. Comme ça après j'étais tranquille de la semaine et j'avais rien à faire de la semaine. Vraiment c'est une organisation et comme ça après si on a des contrôles ou quoi que je puisse avoir la soirée tranquille la veille. Mais après souvent ils essayent de faire la plus grande partie en cours, qu'on n'a rien à faire chez nous. Du coup pour les stages, on avait un premier stage janvier-février de 1 mois, de 4 semaines. Et ensuite on avait un deuxième stage à faire en fin d'année qui était mai-juin, qui était de 6 semaines. Du coup en deuxième année on en a un de 8 semaines je crois, mais ça je suis vraiment pas sûre parce qu'on nous a pas donné plus d'informations dessus. Nous ils nous conseillaient vraiment de diversifier nos stages. D'essayer de le faire dans une agence de com, chez l'annonceur. Moi le premier je l'ai fait dans une agence de communication à Bourg-en-Bresse. Je pouvais loger chez mon frère donc du coup bah c'était cool. Et après du coup celui en fin d'année là, donc là du coup c'était dans une agence de consulting. C'était pas de la communication propre mais du coup j'avais quand même des missions. C'était différent du premier donc du coup ça a pu me faire voir d'autres choses. Il y a tellement de choses dans la communication et si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai. Comment tu travailles en BTS? En début d'année, tout le monde travaillait à l'écrit, tout le monde écrivait ses cours à la main. Faut savoir qu'on a des grosses journées, on écrit beaucoup, il y a beaucoup de choses à enregistrer et en fait c'est toi qui prends les informations que tu veux, ils vont pas te dire t'écris ça, t'écris ça, t'écris ça. Moi ça m'a vite saoulée puisque moi en terminale j'écrivais déjà mes cours sur l'ordi. Aujourd'hui tout le monde écrit ses cours sur l'ordi à part 2-3 personnes. Si vous préférez écrire, vous écrivez vos cours. Si vous préférez avoir votre ordi, ayez votre ordi. Quand j'arrive chez moi, je les imprime et ensuite j'ai des classeurs pour chaque matière. Du coup, je les imprime et je les mets dedans et comme ça après je peux apprendre mes cours par écrit parce que j'adore écrire mes cours sur l'ordi mais je déteste apprendre mes cours par l'ordinateur, c'est impossible pour moi. Est-ce que le niveau est plus élevé qu'au lycée? Tu as des bons résultats? Alors oui, le niveau est un petit peu plus élevé qu'au lycée, les rythmes de cours sont pas pareils. C'est supportable, hein. Franchement tu vas pas te ruiner dans les cours et tu as des bons résultats. Je me maintiens, je suis pas la meilleure élève mais je me maintiens et ça se passe bien. Donc voilà, je suis plus contente de moi là en BTS qu'au lycée. Est-ce que tu aurais préféré faire autre chose que le BTS communication? Bon, à part quelques matières, mais ça c'est comme dans tout, hein. Il n'y a pas tout qui peut te plaire parce que c'est encore un peu généralisé quand même la communication. Les stages que j'ai réalisés, je m'y sentais vraiment bien, j'arrivais vraiment bien à comprendre, à simuler les missions, enfin c'était vraiment intéressant pour moi. Et après... Est-ce que les deuxièmes années étaient cool? Et franchement de ce côté là on a eu beaucoup de chance parce qu'on a eu une classe de deuxième année qui était vraiment très très bienveillante, très accueillante. J'ai aussi un petit plus, du coup c'est les documents de révision du groupe Nathan qui m'ont été envoyés. Ça peut être un bon moyen de vous aider à réviser si vous n'avez pas tous vos cours parfaitement bien écrits ou si vous voulez vraiment être au top du top pour l'examen. Vous avez des choses pour préparer à l'examen, des méthodes, des cours. T'as tous les cours qui résument. Donc je vous mettrai en barre d'infos du coup où vous pourrez retrouver ces ouvrages là. Il y en a d'autres qui sont disponibles avec uniquement des matières ciblées. Il faut savoir qu'il y a d'autres filières disponibles pour cet ouvrage. Il n'y a pas que la communication, vous en avez plein d'autres. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que j'aurai un petit peu tout regroupé. Après, si vraiment vous arrivez dans une filière qui ne vous correspond pas, ne vous obstinez pas à y rester juste pour le plaisir des autres ou quoi, ou par peur de te réorienter. Vaut mieux se réorienter dès le départ que gâcher des années à pas se plaire dans la filière où on est. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Shall I say